Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, je fais une petite pause, enfin euh, une petite entorse à ma pause estivale parce que je vais vous parler quand même du jardin partagé, puisque bah, lui, il n'est pas en pause, hein, il continue bien sûr, donc avec euh, tous ses membres. Et euh, nous nous étions inscrits au concours national des jardins potagers et nous avons été euh, sélectionnés. Donc euh, vendredi dernier, nous avons eu la visite euh, du jury. donc euh, maintenant euh, eh bien nous attendons les résultats, mais je vais vous montrer euh, où en était euh, le jardin euh, fin juillet. Allez, je vous laisse donc nous voilà à l'entrée du jardin avec euh, quelques pots de fleurs et jardinières faites maison. Donc on a de la ciboulette, des fleurs, de la mélisse, voilà, différentes choses. Donc là, on a le petit coin des aromatiques devant le petit châssis. Donc on voit que les parcelles ont bien été euh, enfin, numérotées. Donc on va commencer par la A, la première à gauche. Donc euh, nous avons aussi une petite jardinière devant. Donc là, le, sur le devant, ce sont plutôt euh, des fleurs. On a les maïs juste derrière. Et puis euh, des tomates. Tomates, piments aussi. Donc ce sont les, les piments euh, qui avaient été euh, envoyés par euh, Magellan. C'était les minimotes. Donc euh, ils se portent bien, pas de soucis. Donc ça c'est une, une petite déco pour cacher les... Enfin surtout pour ne pas se blesser avec les bambous. Donc là on a trois variétés différentes de haricots grimpants. On a fait les fonds de sac. Donc, euh, on voyait les haricots espagnols qui allaient commencer à fleurir. Donc, là, toujours des haricots. Et puis, là, nous avons les choux de Bruxelles. Alors, euh, là, ce sont les, les mini-motes de Magellan. Et ça, c'est vraiment bien. Euh, tout ce qui est choux, euh, je trouve que ça a très bien fonctionné. Donc, euh, bravo pour euh, ces mini-motes. Donc, euh, superbe. Là, on a les poireaux qu'on a mis déjà depuis très longtemps. On est parti des semis, donc ils sont pas mal. Donc là, toujours les, des choux, comme je vous disais. Là, on fait un essai d'ondive, donc on va voir ce que ça donne. Sous les cagettes, on a mis des petites salades, mais c'est pas, pas terrible. Elles ont été pas mal mangées. Donc là, on a des butternuts qui courent. D'ailleurs, lors du concours, on nous a conseillé de les tailler, chose que l'on va faire toujours des donc on attaque la parcelle b donc là on a une, une aubergine africaine alors je sais pas le nom exact de la variété c'est quelqu'un qui nous l'a donné donc c'est vrai qu'il n'a a pas du tout la, la feuille classique de la courgette de l'aubergine la, on verra ce que ça va donner donc là ce sont toujours les flageolets de ma maman que, dont je garde la variété là on avait un concombre télépathie au bout. Bon, toujours quelques choux, donc les tournesols hein, qui ont poussé tout seul là-bas. Et puis bon bah des haricots, c'était les haricots violets, donc c'était de chez bouquet euh, Bon des tomates, de la la marante, hein, qui s'est ressemée depuis l'année dernière. Donc là un plant de, de tomates qui a dû être réchappé aussi. Lui il a dû pousser tout seul il me semble. Donc l'artichaut qui a bien, qui a donné ses cinq artichauts cette année, et puis euh, au fond un semis, là toujours euh, les haricots. Donc euh, les haricots, c'est quelque chose que l'on consomme pas mal au jardin partagé. Donc euh, ils sont venus après les pommes de terre. On a fait de magnifiques récoltes de pommes de terre cette année. Et puis, euh, donc on continue maintenant avec les haricots. Donc là, bon, on a nos composteurs. Le coin permaculture, donc euh, voilà, c'est c'est le coin un petit peu plus fouillis, hein, où ce n'est pas désherbé. Donc euh, par contre, c'était des tomates euh, du commerce. Ça, c'est un peu dommage que ce soit des tomates du commerce qui aient été mises dans le coin permaculture, mais bon, ça a été fait et il fallait les mettre quelque part. Donc là, c'est la chayotte, mais alors, la chayotte, euh, bon. Je trouve que voilà, elle ne démarre pas vite, elle devrait être beaucoup plus grande normalement. Donc, on a encore du mal avec les chayotes. Peut-être que c'est pas du tout adapté à notre région. Personne ne fait de chayotes hein, chez nous, donc c'est peut-être tout simplement pour cela. Mais bon, je m'obstine. Ça fait deux ans. On va quand même voir ce que ça donne. Alors le petit péché, donc le petit péché qui était mort l'année dernière, hein, donc celui-là, c'était un nouveau qui venait de chez moi, les pêches sanguines. Donc là, les murs les hein, qui sont, qui sont mûrs, mais elles sont sèches, hein, elles ont manqué, manqué d'arrosage. Et puis là, bah, on a les framboisiers remontants. Donc on voit déjà que ça y est, c'est reparti. Mais eux aussi, il faudrait qu'on les arrose davantage. Au pied, on a des poireaux, pareil, euh, des poireaux qui, ont été, euh, qui sont partis euh, du semis. Donc là, c'est le petit coin qui n'avait pas vraiment été désherbé vers les, vers les framboisiers. C'est le seul coin qui reste à désherber. Donc là, depuis qu'on a désherbé les fraisiers, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de pertes. Donc euh, voilà, il va falloir qu'on s'attelle qu sérieusement à l'automne à refaire notre fraiserai. Donc là, on avait des petites courges. Je crois bien que c'est une Jack Little Bee qui est devant. Donc euh, des tomates toujours. Donc celle-là, une belle jaune. Mais c'est une cœur de bœuf blanche celle-ci. Donc ça, c'est beaucoup de graines que une de mes abonnées, Corinne, m'avait envoyé il y a déjà peut-être deux ans. Je ne me rappelle plus exactement, mais euh, voilà. Et cette année, j'ai passé pas mal de ces graines pour voir ce que ça donnait justement. Donc toujours des haricots. Juste à côté, nous avons les patates douces. Voilà, patates douces euh, dont j'avais fait les, les. Enfin, je l'avais fait germer euh, dès le mois de janvier. Ici, on a encore. Euh, alors, on a une. On a un concombre. Pas un concombre. Je crois que c'est un. Si, un concombre, on avait un melon. On a une pastèque lune derrière, derrière les amarantes. Donc là, c'était la parcelle C. Donc on a là, bah, les, les potimarrons. Donc, on a trois potés marrons en formation. Bon, c'est pas énorme, hein. pour 12, ça va être un peu juste cette année. Au fond, dans la permaculture, on avait des butternuts. Bon, malheureusement, on s'est fait voler deux butternuts. Donc, elle a dû croire que c'était des courgettes, la brave dame. Parce que c'est une dame qui, qui nous les a prises parce qu'elle dépassait de l'autre côté. Donc, euh, bah écoutez, j'espère qu'elle a apprécié la, la, la butternut crue, enfin, pas mûre. Là, donc, on a des belles courgettes. Donc, ça, ce sont les courgettes de chez, de chez Magellan, toujours. Donc, c'était les, les mini-mottes. Donc, les mini elles ont bien fonctionné euh, au jardin partagé. Sauf les, celles, les boules, là, les 8 balls, Les eight, ball, les eight ball, euh, ni chez moi, ni au jardin partagé, elles n'ont pas bien fonctionné. Mais euh, les autres ont bien, ont bien fonctionné. Au niveau des tomates, euh, alors, les tomates greffées... Euh, qui avait été envoyé, donc euh, tout ce qui cerise, ça marche bien, c'est très fourni. Les autres, euh, bon, je trouve qu'elles sont pas. Je pensais que ça serait mieux. Je pensais que ça serait mieux, mais bon, moi, il me semble que les, les minimotes étaient vraiment très très petites quand je les ai re reçues. Enfin, ça doit être normal. Et il me semble qu'elles ont eu un petit peu de mal à reprendre. Alors peut-être qu'on s'en est pas assez bien occupé. Mais euh, voilà, je, je suis plus emballée par les choux. Que par les tomates alors que bon j'avais un grand espoir sur les tomates mais finalement on voit pas tant de différence que ça euh, entre les tomates euh, de chez nous et, et les tomates euh, en minimote donc là on revient au départ donc avec les aromatiques et puis ça ça doit être de l'armoise annuelle donc euh, on attend qu'elle fleurisse pour être vraiment sûr que ce soit bien ça avant de pouvoir la consommer alors je vais terminer sur la vue générale du jardin où on voit bien les quatre parcelles et je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt